Bonjour, je suis Jean-Baptiste Younes, maître de conférence en informatique à l'Université de Paris, et c'est moi qui vais vous présenter le projet ROLIA qui a été monté en collaboration avec Nicolas Ballier, professeur en études anglophones à l'Université de Paris aussi. Donc, il s'agit d'un projet interdisciplinaire d'initiation à la recherche par le TAL. Alors en quoi est-ce qu'il consiste et d'où il vient Il s'agit d'une réponse à un appel à projet irréel de notre IDEX, qui, pour répondre aux indicateurs de recherche intensive, a décidé de lancer un appel à projet nommé Programme d'initiation à la recherche en licence, irréel. L'appel a eu lieu en mars 2019 pour la première fois. Il a fallu répondre assez vite puisque la réponse était attendue pour juin 2019. Les projets étaient finançables à hauteur de 10 à 15 000 euros, ce n'était pas entièrement défini au départ, cela dépendait en fait du nombre de projets qui allaient être soumis. Il y a eu 9 projets retenus en 2019, dont 2 en sciences humaines. Et notre projet qui s'appelle RELIA, pour, qui est l'acronyme de Recherche en licence informatique et études anglophones, a donc été retenu. Alors il consiste en quoi cette, ce projet Eh bien, en euh, des collaborations. Tout d'abord, une collaboration interdisciplinaire, puisque ça, concernait, ça a concerné deux UFR, l'UFR d'informatique et puis l'UFR d'études anglophones. L'idée, c'était de fabriquer des binômes d'étudiants et de les faire travailler, donc des binômes interdisciplinaires, donc avec un, un étudiant euh, linguiste ou étudiant anglophone et puis un étudiant d'informatique, et de faire en sorte qu'ils communiquent entre eux et s'échangent des savoirs. Donc il y avait l'idée d'offrir des bases de programmation pour les linguistes de langue anglaise. Et puis, euh, pour les étudiants d'informatique, d'offrir des horizons nouveaux et surtout autres que la pure informatique. Euh, par ailleurs, on avait aussi l'intention de faire une initiation à des problématiques de machine learning. Alors, comme autre collaboration, il y avait aussi un projet interuniversité. Euh, bon, il se trouve maintenant que les différentes universités qui étaient initialement dans le projet ont fusionné dans l'université de Paris et donc euh, on tentait de rapprocher euh, Paris 5 Descartes et, et euh, Paris 7 Denis Diderot. Alors euh, comment on a fait pour recruter les étudiants puisque ça c'était le premier point euh, un peu délicat euh, on va le voir euh, pour les étudiants de L2 d'anglais euh, il faut noter euh, je ne l'ai pas précisé jusqu'ici, mais c'était un projet pour les étudiants de L3. Donc, c'était initiation à recherche en licence, et on a visé les, explicitement les L3. Donc, on a tenté de recruter des étudiants de L2 d'anglais euh, en juin, dès que le projet a été accepté. Il y a eu assez peu de volontaires, pour différentes raisons, et ce qui leur a été proposé, était proposé, c'était euh, d'obtenir 3 ETCS via ce nouvel enseignement. Pour l'informatique, une autre stratégie a été employée. Euh, c'était d'utiliser le bouche à oreille, donc de faire une sélection à la main. Sept volontaires ont été choisis et ont répondu, donc il n'y a pas eu besoin de faire d'appel le plus large. Pareil, une UE optionnelle leur a été proposée qui comptait pour trois ECTS. Alors encore une fois, l'idée c'était de regrouper des étudiants par binôme, donc anglais, informatique, disons et de regrouper évidemment aussi par affinité. Donc il y avait des thèmes et des projets qui leur ont été proposés. Au final, ça a conduit à fabriquer cinq posters comme nous allons le voir. Il y a eu un abandon et on n'a pas réussi à recruter d'étudiants des de Descartes cette année pour différentes raisons. Alors le contenu du cours, c'était 12 séances d'une heure trente. Il y a eu besoin de faire aussi du distanciel à certains moments. Euh, la langue d'enseignement euh, a alterné entre le français et l'anglais. L'enseignant d'informatique moi-même a parlé en français. Et puis l'enseignant d'anglais, enfin qui est anglophone, a parlé en anglais. La rédaction a été faite en anglais. Donc les travaux ont été réalisés en anglais. Euh, on considérait ça comme important pour tout le monde, évidemment. Alors euh, il y a eu deux parties donc hein, euh, l'introduction à la programmation Python avec de quoi euh, comprendre quelles, est, quelles sont les mécaniques en jeu dans euh, les aspects calculatoires du traitement des textes. Donc ça c'était plutôt orienté pour les étudiants de sciences humaines. Et puis pour les étudiants d'informatique, eh bien. Euh, une introduction au TAL pour essayer de leur faire comprendre quels étaient les problèmes, les enjeux de la linguistique traitée par les machines. Euh, dans l'introduction au qui était faite, euh, donc l'introduction à Python, c'est moi-même, Jean-Baptiste Junès qui l'a faite, et puis l'introduction au TAL, c'est Nicolas Ballier. Euh, il en a, au cours de l'enseignement, euh, proposé des thèmes et des sujets. Et donc les étudiants se sont orientés, ont choisi et se sont orientés dans différentes directions. L'idée était d'avoir une logique de projet et donc de les faire évoluer au cours du temps. Alors il y avait aussi, puisque c'était une initiation à la recherche, aussi l'idée de leur faire rédiger des documents, donc des abstracts de conférences, d'utiliser des outils relativement utilisé dans le domaine scientifique, donc la tech, qu'est-ce que c'est qu'une bibliographie, comment est-ce qu'on manipule ces bibliographies, fabriquer des posters, voilà, présenter, travailler sur un thème, et puis être capable de présenter de différentes manières les, les travaux qu'on a pu réaliser. Alors, grâce à TALN 2020, euh, on a pu aller jusqu'au bout de cette logique, puisqu'il y a eu aussi une soumission euh, des posters des étudiants, euh, suivie d'une relecture, et puis euh, maintenant une conférence virtuelle euh, à laquelle les, étud les étudiants travaillent actuellement. Alors, pour le budget, euh, rapidement, il a consisté en des vacations, bien sûr, hein, il faut payer les enseignants, euh, et puis on s'était orienté sur tout, ce qui a fait le, la, la somme importante de ce. De ce de ce projet, un repas de cohésion, une matinée poster avec bien sûr aussi de quoi restaurer les divers appétits, les diverses fins, et puis la partie la plus importante, on souhaitait dès le départ les amener à une conférence, donc on avait choisi Thal déjà depuis un moment, et donc on avait budgété des frais d'inscription, le logement et les transports. Alors, malheureusement, la pandémie a frappé le monde, dont la France, et euh, la conférence TALN s'étant virtualisée, euh, du coup, euh, le budget a été refléché vers euh, une machine, un ordinateur adéquat qui nous, devrait nous permettre, si le projet se pérennise, euh, de permettre aux étudiants donc d'utiliser euh, des machines suffisamment puissantes pour pouvoir faire du machine learning, par exemple. Alors, euh, la matinée de poster a eu lieu le 17 janvier, donc l'enseignement s'est déroulé dans la majorité de ses heures, euh, traditionnellement, comme traditionnellement, c'est-à-dire en, en salle de cours, eh bien au premier semestre, euh, donc euh, entre septembre et puis euh, décembre 2019. Il y a eu une matinée poster qui a été organisée, donc accueillie par euh, Paris Descartes, et qui a eu lieu le 17 janvier 2020. Euh, devant des étudiants de master euh, de l'université Paris Descartes. Donc les étudiants ont pu présenter leur, leur projet, leur, disons, leur poster, et puis répondre aux diverses questions. Alors il y avait initialement l'idée d'assister à une conférence et qui s'est transformée, bien heureusement, pour le grand bonheur de tous, en la participation à une conférence. Malheureusement, puisqu'il y a quand même un un souci à cause de cette pandémie, la participation n'a pas pu être faite jusqu'au bout, donc on n'a pas pu se déplacer jusqu'à Nancy, mais voilà. Donc il y avait bien un budget pour 12 étudiants pour assister à TALN, voilà. Alors il y a eu un appel à, un appel à présentation pour des apprentis chercheurs et chercheuses de 2020, donc il y a été répondu pour chaque projet d'étudiant, donc il a fallu reformater leur abstract, reprendre le poster présenté en janvier pour y apporter les modifications nécessaires puisque certains travaux ont avancé plus tard que les dates prévues initialement. La difficulté, c'est évidemment il y avait la distance, enfin le confinement, la distance induite par le confinement, et puis le fait que tout ça devait être mené aussi parallèlement avec des examens et des cours en distanciel pour les étudiants. Alors les projets... Euh, il y a eu trois posters de binômes, euh, donc euh, Emma et Sosen qui ont travaillé sur les chatbots, donc il y a un poster à ce sujet. Euh, il y avait les résumés de textes de Claude et Guillaume, donc c'était une tentative de euh, calcul euh, via réseau de neurones. Il y a une génération de textes de, de rap. De chansons rap ou de musique rap euh, par Eitanit euh, et Nelson. Ça a donné des résultats euh, intéressants. Et puis, euh, deux posters ont été menés euh, parallèlement par un groupe de quatre étudiants. Donc, on ne peut pas diviser facilement les étudiants en deux groupes pour ces deux posters, mais voilà. Donc, euh, l'un était euh, porté sur euh, le Tree Tag. Et les deux euh, étaient centrés sur le dictionnaire de Wolkers. Donc, comment entraîner TreeTagger sur les données du dictionnaire. Et l'autre, c'était de comparer euh, les données taguées modernes avec celles du dictionnaire du 18e siècle et de voir quels étaient les usages de certains euh, mots ou non. Voilà. Euh, alors euh, le bilan, euh, le bilan, c'est évidemment euh, l'initiation à la recherche a été de nier ici les étudiants à Python, au Tal, euh, à la fabrication euh, d'abstracts, euh, de travailler collaborativement avec euh, divers outils euh, qu'ils ne connaissaient pas forcément, ni euh, d'ailleurs les linguistes, ni les informaticiens, euh, suivre des contraintes euh, dont ils ignoraient absolument l'existence. Et puis euh, les règles de soumission de conférences, euh, les systèmes de relecture, euh, etc. Alors les points positifs, c'est que ça a été une vraie réussite pédagogique. Hein, la démarche par projet a fonctionné. Les étudiants ont fait de vrais choix. Ils ont fait évoluer leurs choix parfois. Donc euh, c'était vraiment, de ce point de vue-là, une belle réussite. Euh, il y a eu un vrai public pour la matinée poster. Donc il y a eu un véritable intérêt des étudiants de master ainsi que différents collègues qui se sont déplacés jusqu'à Descartes, qui étaient à Descartes ou d'autres venus de plus loin. Donc ça, c'était aussi un excellent point. Euh, les étudiants étaient vraiment contents d'avoir pu choisir leur sujet, donc ça les a motivés pour travailler euh, bien également. Euh, il y avait un réel désir de venir à Nancy, donc euh, hum, malheureusement, ça n'a pas pu se faire, mais ça a créé une vraie dynamique de groupe. Euh, cette idée de, en fin d'année, d'avoir comme point d'orgue un petit voyage et puis de participer à une conférence et de voir comment des chercheurs travaillent, en tout cas une partie du travail des chercheurs qu'habituellement les étudiants ne connaissent pas. Et puis une véritable expérience d'interdisciplinarité, ce qui n'est pas toujours facile à mener. Voilà, donc pour le coup, ça c'est un véritable point positif. Alors, il euh, y a quelques limites toutefois. Euh, pas, ça n'a pas été très facile de recruter les, les linguistes anglicistes. Euh, il faudra revoir, euh, euh, essayer de comprendre mieux pourquoi et puis peut-être revoir les stratégies. Il n'y a pas assez d'heures, en fait, euh, évidemment. Le peu d'heures qui avaient été prévues pas, n'ont pas suffi. À aller suffisamment loin, euh, ni en Python, euh, ni dans le traitement automatique des langues, même si euh, au final ça produit euh, d'assez belles choses de notre point de vue. Alors on n'avait pas de machine pour les expériences, donc ça a été assez compliqué. Certains étudiants ont euh, utilisé leurs propres machines, mais ce n'était pas toujours très adéquat. Enfin, voilà, donc on espère dans le futur de pouvoir euh, monter ça euh, grâce au budget qui n'a pas été dépensé cette année. Euh, voilà c'est une, une possibilité. et puis, euh, on espère que ça s'inscrira dans la durée, donc. mais euh, c'est pas du tout évident. Euh, pour l'instant, euh, l'appel d'offres n'a eu lieu qu'une fois. nous n'avons pas de nouvelles d'un de, futur appel d'offres, euh, même si c'était sous-entendu au départ. mais euh, disons que, encore une fois, euh, l'apparition du covid a bouleversé un certain nombre de choses. donc, on, on, on espère que c'est simplement un retard de calendrier, mais il n'est pas, pas impossible qu'en fait cette expérience ne soit qu'un one-shot. Alors, la valorisation du projet est disponible a été réalisée de diverses manières. Bien sûr, il y a un site web, euh, donc le site, euh, enfin disons mes pages web euh, d'enseignement chercheur, sur lequel on va retrouver des choses à propos de Rolia, il y a eu un reportage du service de communication de l'Université de Paris qui est disponible sur YouTube. Tous les liens vous seront donnés ensuite. Il y a eu une mise en avant importante de l'Université de Paris de ce projet interdisciplinaire qui est vraiment un point très important historique de Paris-Dhydro. Euh... La conférence, donc non seulement assister, mais participer, même si ça a dérivé, comme on l'a déjà dit, sous d'autres formes. Et puis, actuellement, une collection de Halles concernant le projet IRL est en construction. Donc, on pourra déposer les travaux relatifs à ce type de projet, si c'est pérenne, dans cette collection Hall. Donc vous aurez à votre disposition la webographie, et puis je souhaite pour finir, et avant de laisser le reportage de, du service de communication de l'Université de Paris, qui ne dure pas très longtemps, deux trois minutes, et qu'il est intéressant de regarder, je souhaiterais, enfin nous souhaiterions, puisque je porte la parole aussi pour Nicolas, remercier les étudiants pour leur engagement qui n'a pas failli, qui n'a pas faibli, euh, ils ont travaillé bien plus que ce qu'on attendait, ils continuent actuellement encore à travailler sur leur, sur, le, sur les différents objets produits, donc ça c'est vraiment un point euh, voilà, qu'il faut souligner, et donc merci à eux, c'était bien sympathique de, de, de participer à ce projet avec eux, Merci à l'Atala pour l'organisation de l'atelier des apprentis chercheurs et chercheuses 2020. Ça, ça nous a bien aidé à valoriser leur, leur, leur projet. Euh, merci donc à Christophe Benzitoun et puis aux organisateurs pour tout. Et puis euh, merci à Mohamed Natif de Descartes et Benoît Crabé d'Hydro euh, qui nous ont aidés sur euh, des tas de, de points. Euh, Mohamed Natif nous a hébergés à Descartes pour la séance poster, et puis merci à Julia Bonin qui a géré ses crédits IDEX. Merci. Le projet Relia, recherche en licence informatique et études anglophones pour des étudiants L3. Un projet soutenu par l'IDEX où, comment deux formations aux disciplines culturelles et aux pratiques pourtant si éloignées, se découvrent et collaborent ensemble. Sur un thème qui était plutôt de la recherche autour de la linguistique, mais en utilisant évidemment des outils informatiques en essayant de faire en sorte que dans le binôme, il y ait un échange de culture et de compétences sur ces thèmes. Un exemple de binôme avec Swasson et Emma. Ce qui était intéressant, vraiment, c'était de pouvoir mettre un peu un pied dans, la, dans le domaine de la recherche. Et c'est vrai qu'au début, le fait que ça soit en anglais, moi j'étais un petit peu réticente, mais quand j'ai su que je pouvais travailler en, en équipe avec des étudiants. Euh, en linguistique, euh, bah, c'était plus simple. Les professeurs m'ont introduit à plein de programmes liés à la linguistique, qui est quelque chose que, que je pourrais utiliser plus tard. en fait. Ils m'ont appris par exemple, à, ils ont montré comment coder par exemple les lignes de phrases pour repérer quel mot est par exemple un, un prédicat ou un verbe, enfin, plein de choses comme ça liées à la fonction des, des noms, qui était quelque chose que je ne connaissais pas avant. en fait. Je ne savais pas que je pouvais faire ça avec un programme informatique. Du point de vue des étudiants qui sont en anglais, l'objectif était d'apprendre un langage de programmation, Python, qui est particulièrement utilisé pour le traitement automatique du langage. Et du point de vue des étudiants en informatique, c'était s'initier à toutes ces problématiques d'analyse pour du machine learning ou de l'intelligence artificielle. Notre sujet principal, en fait, c'était les chatbots. Comment est-ce que tout ce qui est dialogue pouvait être transcrit par un code informatique et donner l'impression en fait, d'une réelle discussion À l'issue de leurs travaux, les étudiantes ont présenté les posters en langue anglaise auprès des masters 2 Machine Learning for Data Science. Le fait que les L3 s'intéressent à des projets et les présentent en M2, les M2 peuvent accompagner et comme ça, ça fait un échange très très vif. Ils parlent avec leurs camarades, ils leur disent « Tiens, on peut faire ça, on peut faire du machine learning ». Comme en plus le machine learning est plutôt une discipline en pointe et dont tout le monde parle en ce moment, ça les attire, ils essaient de faire des masters de machine learning. Il y a des gens qui font ça, on les a rencontrés, on a travaillé là-dessus et donc ça ouvre des pistes. C'est ça que je trouve super intéressant, c'est de voir que en fait, l'informatique, c'est vraiment un domaine qu'on peut lier à, à plein d'autres domaines différents. Relia est l'un des lauréats de l'appel à projet irréel, lancé dans le cadre de l'IDEX Université de Paris. Pour les étudiants, d'autres étapes sont prévues en 2020, notamment la soumission de leurs posters à des conférences dans le domaine des humanités numériques.